Hey, salut les gars, c'est Tom et Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous parler du tapis d'acupuncture. Et ouais, on va parler relaxation, massage et détente musculaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voici ce que c'est un tapis donc d'acupression ou d'acupuncture. Donc en fait, c'est tout simplement un tapis qui fait les mêmes sensations que de l'acupuncture. Donc vous regardez, en fait, vous avez plein de petits picots en plastique. Et donc, c'est ça qui fait que vous allez faire des massages. Ça va vous détendre et relâcher toutes les pressions sur lesquelles vous allez appuyer, en fait. Donc, c'est super sympa. Ça peut aussi bien se faire sur vos jours de repos, sur le canapé, sur la chaise, dans le lit. Vous pouvez même dormir dessus, si vous voulez, ou le faire après une séance pour récupérer. Donc, moi, j'ai celui-ci. Il est un peu plus court. J'ai un coussin qui est plus sur la longueur. Et Tom, il a le modèle XL avec un petit coussin tout bizarre, et un tapis qui est un petit peu plus long. Donc après, ça peut être sympa pour ceux qui sont plus grands, donc ça vous permet de faire plus de surface. Donc après, vous pouvez faire toutes les parties du corps, on va vous montrer. Donc l'acupression est une ancienne thérapie, donc c'est une thérapie curative qui utilise en fait les picots, tous les points que vous avez, pour appuyer sur les points méridiens du corps et donc activer la capacité du corps d'auto-guérison naturelle. Donc ça va vous permettre de vous masser, donc de récupérer musculairement, ça va détendre les pressions que vous avez musculairement. Ça va vous masser si vous êtes blessé, par exemple si vous avez mal au lombaire, si vous avez mal au dos, rien ne vous empêche de vous masser avec. Donc vous allez sentir une sensation de douleur quand vous êtes dessus, parce que c'est des picots, donc ça vous pique en fait, comme si vous enfonciez un petit couteau, sauf que ça ne vous rentre pas dans la peau, ça ne vous fait pas saigner. Vous pouvez le faire aussi bien torse nu, donc déshabillé, que habillé. La différence est assez importante, surtout si vous avez la peau assez sensible. Vous allez vite sentir que ça pique et que vous allez avoir une peau rouge. Après, vous pouvez faire aussi bien 2 minutes par jour que rester une demi-heure dessus. Ça dépend vraiment. Après, vous pouvez le faire petit à petit et vous habituer pour y rester plus longtemps. Après, vous allez avoir plusieurs postures. Donc, vous pouvez déjà vous coucher dessus. Attendez, je vais me faire sans t-shirt. Comme ça, vous verrez à quel point ça va me traumatiser la peau. Donc vous vous couchez délicatement et vous mettez le coussin au niveau de la nuque. Donc ce qui fait que vous avez toute la longueur du dos qui va être prise, et également les cervicales, la nuque et le bas de la tête. Donc là, ça va vous détendre. Il faut rester au moins 1 minute pour sentir les bienfaits. Vous sentez bien évidemment les pics qui rentrent, mais sans vous faire mal derrière. Donc n'hésitez pas à bien respirer. Vous pouvez vous mettre de la musique relaxante, de la musique de méditation par exemple, vous détendre. Vous pouvez même faire votre méditation pendant que vous êtes sur le tapis. Vous pouvez faire également des postures de méditation sur le tapis. Alors, je ne sais pas si vous allez voir mon dos à la caméra. Normalement, il doit être assez rouge et vous verrez peut-être des petites formes, des mini trous, on va dire, parce que les petits pics vont pénétrer mon dos. Arrête de rigoler, Tom, je t'ai vu. Donc après, vous pouvez du coup vous mettre aussi bien sur le dos que sur le ventre. Donc sur le ventre, ça va être pareil. Hein. Vous mettez sur le ventre, tout simplement. Après, si vous avez par exemple des douleurs au niveau des pecs, vous pouvez mettre le coussin au niveau des pecs et ça va vous détendre les pecs. Je l'ai fait l'autre fois et c'est vrai que ça marche super bien. Donc vous vous couchez comme ça, tout simplement. Vous pouvez même faire ça l'été, bronzer dans l'herbe avec le tapis. Tranquillement. Après, vous pouvez faire comme le rouleau de massage, les jambes. Donc pour les jambes, vous mettez vos jambes sur le tapis. Et si vous voulez accentuer, pareil, vous prenez le coussin. Vous pouvez le mettre par exemple sous les cuisses, sous les fesses, sous les mollets. Donc les jambes, on le sent quand même un petit peu plus. C'est un peu plus, on sent que la peau est plus fine. Après, ça dépend des personnes, c'est pareil. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est assez agréable pour se détendre, sachant que ça prend pas de temps, parce qu'au final, vous pouvez vous en servir très bien en regardant la télé, en mangeant, vous pouvez vous en servir au boulot, vous pouvez le mettre sur la chaise du bureau. Donc c'est assez agréable. Alors que contrairement au rouleau de massage, il faudra vous faire une séance au rouleau de massage. Là, vous pouvez vous en servir n'importe quand, tranquillement. Donc après, je vous mettrai un lien dans la description. Vous trouverez le lien Amazon si vous voulez acheter ce type de tapis. Donc
vous allez avoir différents prix en fonction de la taille. Par exemple, le mien, on est dans les 25-30 euros. Et vous avez celui de Tom qui est un peu plus grand, on est dans les 30-39 euros. Donc, j'essaierai de vous trouver les deux et je vous mettrai les deux dans les liens de la description. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, les gars. Je crois que Tom s'est endormi. Ouais. Après, vous pouvez même vous faire les... Ah, putain. Les genoux. Alors, mauvaise idée, les genoux. Donc, après, vous pouvez faire les pieds aussi. Parce que vous êtes nombreux à le savoir, je pense. Et on a vachement de points méridiens dans les pieds. Donc, vachement de points qui correspondent, en fait, dans tout le corps. C'est un peu comme si vous faisiez masser les pieds. Donc, vous mettez vos pieds tout simplement sur le tapis. Et là, vous attendez. Tu les as déjà fait, les pieds, Tom ? Non. Bah, essaye. Et enlève tes chaussettes. Donc, c'est vrai que c'est... On le sent bien au niveau des pieds. Après, bah, moi, j'ai pas mal de corps, donc ça me fait pas mal. On va voir si Tom... Ça va, il a survécu. Ah, chafakir. Non, franchement, c'est super agréable. Même si au début, on se dit ça fait mal parce qu'il y a des picots, mais c'est plus psychologique qu'autre chose, en fait. Après, bah, du coup, vous pouvez même faire... Vous pouvez faire les mains, vous pouvez faire les avant-bras. Enfin, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment tout faire. Puis vous avez ça chez vous, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et ça ne coûte pas grand-chose au final. Un peu comme le rouleau de massage, c'est super rentable et ça détend. Donc après, l'avantage de ce genre de tapis, c'est qu'ils sont lavables. Vous avez... Je vais vous montrer. Donc en fait, c'est tout simplement une housse qui est scratchée. Et à l'intérieur, vous avez donc le tapis en mousse. Donc, vous pouvez le laver si vous transpirez comme une truie. Vous pouvez le laver. Ou tout simplement si plusieurs personnes s'en servent pour des questions d'hygiène. Donc, je pense qu'on a tout dit sur le tapis. Donc, voilà. N'hésitez pas à consulter les liens si vous en voulez un, les gars. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à partager et aussi à consulter le lien Utip si vous voulez me soutenir un peu plus parce qu'il y a des pubs qui vont me rapporter 4 à 5 centimes et ça permet de booster la chaîne et je pourrai investir dans du nouveau matos. Allez, merci les gars, merci pour votre soutien et merci. On se retrouve à la prochaine pour notre vidéo. Ciao, ciao. Et exercice bonus pour travailler donc au niveau des mains, vous pouvez faire le handstand sur le tapis. J'ai mis le t-shirt pour ne pas avoir trop de pression parce que je vais quand même avoir tout le poids du corps au niveau de la pression. Oh putain! Ça va, c'est supportable. Ouais, ce qui est bien, c'est que tu sens l'eau appuyer tes doigts. Hein. Ok! Regardez ma main. Et j'avais mis le t-shirt.